Kelvin Oubani veut faire la promotion de ce qu'il appelle le mix média. Les œuvres de l'artiste nigérien s'inspirent essentiellement de l'environnement, mais sa particularité se trouve dans sa capacité à diversifier ses supports. Entre ses mains, l'eau, l'acrylique et la peinture à huile se confondent en un art, le mix média. Si vous voyez ses œuvres, c'est plein de signification. La nature abstraite des œuvres est chargée de sens. Au fait, c'est l'artiste qui fera l'explication de ses œuvres. L'admirateur pourrait être curieux et poser des questions, puis il va révéler le sens de ses motifs abstraits. Né d'un père charpentier, d'une mère couturière et ayant une sœur fabricante d'objets en perles, Kelvin Oubani se décrit comme quelqu'un qui a eu une chance exceptionnelle, celle d'avoir grandi dans la créativité de sa famille. La diversité des perles de sa sœur, les coupes uniques des robes de sa mère et l'esthétique des meubles de son père ont été autant d'influences. Je crois qu'en tant qu'artiste, je vois au-delà de ce que les gens voient. Je peux regarder ce arbre en ce moment, je peux voir les visages, je peux voir un homme sur un cheval. Ce n'est pas par ma propre volonté, c'est parce que Dieu a mis en moi cette vision intérieure. Les œuvres de Kelvin Oubani sont appréciées par les amateurs d'art. Ses clients viennent essentiellement d'Asie et des États-Unis. Le défi pour lui aujourd'hui est d'exporter cet art.